beaucoup de choses parce que j'ai vu Fally interpellé par la justice après concert. Oh, t'as bandé le roi. J'ai vu Fally interpellé par la justice après concert. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. J'ai vu Fally interpellé par la justice bavoukali bazo samba après concert. C'est que je suis battu sur car aucun des prisons ne soupçait pas comme ça y est. Namona dit débat ouan. Nalamo qui nous dit ah gloire à Dieu toujours. Donc c'est que Fally après l'événement concert voilà. Il peut être saisi par la justice. Oui, je vis interpellé par la justice. L'avocat bah, Bazou Samba, il n'y a pas de télémie, tout ce qu'on s'en a moni, il a fallu. Après qu'on s'en a. Comme il y a un message, il y a un politicien à Congo, bah, qui m'a dit Congo, Brazzaville, il y a un danger à manger. Au moins, il y a un. Oui, il y a un danger. Et pour ça, il y a bientôt. Beaucoup, j'ai vu ça. Bazou, il y a un danger à manger. Bazou, il y a un danger à manger. Bazou, il y a un. Et là, c'est que bientôt il y aura. Les représailles au Salama. Les représailles au Salama. Et au Salama, les politiciens congolais. Ils vont regretter. Mais si vous allez jeter en prison, calamité. C'est agréable que le frère et sœur demeurent ensemble, c'est là où reste la bénédiction. C'est-à-dire, une dingue qui est au Talaye, ça montre aussi l'humilité. C'est-à-dire, à Teiba, maman, surtout, il y a Congo, l'humilité. Parce que c'est pas facile. Il y a une première dame, il y a une Rotala, il y a une ex-première dame. Pour montrer qu'il a prêché à toutes les mamans l'humilité. Donc, ma sœur, ma frère, ma sœur, ma maman, ma humilité à partir de maman. Et deux, les autres sont à prêcher réconciliation. Vous connaissez, si on est unis dans ce pays, même le ennemi, même le rebelle qui sont là, n'ils vont pas pénétrer. Après concert, on est interpellé par la justice. Je dois dire ce que je vis. Après concert, interpellé par la justice. Azo Samba. Alors, ce que je vis. Alors, Dieu m'a parlé beaucoup sur le pays. Je suis en train de prier. Oui. Le territoire occupé par les Qu'est-ce que je vis? Oui, je vais parler sur ça, bien-aimé. Qu'est-ce que je vis quand j'étais en train de prier? J'étais en train de prier pour ce pays, pour demander Seigneur, mais pourquoi territoire Yamboko? Ça peut être toujours pris par l'ennemi jusqu'à aujourd'hui. Je vis des phares de ses entrées et les rebelles en train de prendre fuite. Ça va se faire bientôt. Je dis bien bientôt. Moi, t'as allé aussi là-dedans. Donc, tu récupères Bounaganda. Oui. Moi, t'as au bandeau et au bandasiko et aussi là-dedans. Toujours récupéré. On a moni ba rebelle ba zokima. J'ai vu population zo sauter na kata territoire que tozu munangana. Ça va se faire bientôt. Et Dieu va livrer territoire wa na maboko ya colonel moko. Je connais déjà que entrer dans le confort de Ferré Fally c'est mauvais. Et pourquoi je dois être là? Parce que vous connaissez dans la vie, il y a dans chaque chose, il y a un esprit qui domine sur ça. La musique profane ou musique chrétienne, il y a un esprit. Lorsque vous captez, le comment que vous êtes en quête, il y a cerveau na yo, na quête âme na yo. Ils ont en quête quelque part. Mais il faut la leçon les autres transmettre. Tel que moi, j'ai toujours dit maintes fois. La fois pas j'avais dit pour le cas de l'artiste d'Inglès. J'avais dit, moi je l'encourage dans son carrière musicale, mais qu'il laisse un peu le nom de Dieu à part. Moi je l'encourage dans son carrière musicale, mais qu'il laisse un peu le nom de Dieu. Donc laisse encore dans la carrière musicale, mais tu sais comment on dit? Oui, c'est ça, exactement. Abandon au calaté, papa. Non, on ne connaît pas. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur Équilibre Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue chez nous. Jérémy Louemba, les renards du désert est devant vous. Clin d'œil spécial à tous nos abonnés, mais aussi à tous nos partenaires. Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Maman Clotilde Bondo, les plafonds des reines, Mimi Ndoumé na Bundes. Je n'oublierai jamais Louis Zombala de Madrid, Olivier Gérard Saddam dans Manchester. Nous sommes là avec le jeune prophète Enoch Chawanga qui revient. Et on va essayer de parler sur l'actualité, mais aussi sur les choses de l'esprit. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère Jérémy.
Bon début de semaine, papa. Merci beaucoup, Parima. Voilà, toi, bonne émission à prier, papa. Seigneur, je prie, Père de gloire, pour tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Dirige-nous, Seigneur, Père de grâce. Il te crie dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a délivrés. Je crois, Seigneur, aujourd'hui, ta parole va délivrer tes enfants au nom de Jésus. Je chasse loin de nous les pensées d'iniquité, les voix, des pensées, tout esprit satanique, démoniaque. Que ça puisse aller loin de nous au nom puissant de Jésus. Lorsque cette émission puisse amener l'édification de tes enfants et que les gens puissent être guéris et délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci pour la prière, prophète. Merci beaucoup. D'abord, boni libota, boni musala nkolo. Non, vraiment, libota, tout va bien par la grâce de Dieu. L'éternel Dieu nous protège. Bato, ça va, ma prière, est-ce que Bato, c'est pelapé quand même? Oui, bazo c'est pila pas sur bazaba c'est platé mais abin abin notre téléphone, n'est-ce pas? Bangou bazakasuki amoni kumoko boy soit choc moko boy azung la journaliste au lekaki une émission na ibasa, n'est-ce pas ça? Exactement. Mais depuis que je suis avec toi, mutumoko ta benga réclamation pour montrer que je fais un bon travail. Pas je fais un bon travail, mais Dieu qui fait en moi, il fait un bon travail pour accepter sa banaye. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors aux alipes congolais, l'homme de Dieu. Tout le monde a une belle image, rencontre entre les deux premières dames. Maman Bobila Dawa, ex-femme Mobutu, et puis l'actuelle première dame, Maman Denise Nyakiru Tshisekedi. Maman Denise, c'est que tu as Maman Bobila Dawa au niveau Maroc, Bakoutani, Basololi. Et puis à Kena tombe Mobutu, à Tsiki gerbe les fleurs. Naye. Cet esprit-là, image où on a eu tant que serviteur de Dieu, peut-on dire que ma génération a Kané, si quelqu'un est au Sangana? Ça peut aussi propulser le Congo et les Congolais? Premièrement, c'est que la première dame a fait, elle a accompli les écritures. Accompli ma commis par la Bible, nous dit « Il est bon et agréable que le frère et sœur demeurent ensemble. » Ah, ok. C'est là où réside la bénédiction. C'est-à-dire, ce que la première dame a donné, Nakero, je te salue en passant à Sali, ça très bien. Parce que la Bible dit « Il est bon et agréable que le frère et sœur demeurent ensemble. » C'est là où réside la bénédiction. C'est-à-dire, ça montre aussi l'humilité. C'est-à-dire, à Teiba, maman, surtout, il y a Congo, humilité. Parce que ce n'est pas facile. Il y a une première dame, il y a une côté, la moto, il y a une ex-première dame. Moussa, il y a un côté, 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 il y a un côté. Pour montrer qu'elle a prêché à toutes les mamans l'humilité. Donc, ma sœur, ma frère, ma sœur, ma maman, il y a une humilité à partir de maman. Et deux, les choses sont à prêcher réconciliation. Vous connaissez, si on est unis dans ce pays, même l'ennemi, même le rebelle qui sont là, n'y vont pas pénétrer. Pourquoi? Le voleur vient pour dérober, pour égorger, pour séparer. Et si nous sommes unis, même les rebelles, les ennemis, parce qu'en réalité, le rebelle, les ennemis, pour n'avoir risque de détruire Bissau, Nakatambo, Kanabissau, Nathan, Estekuna, sauter la majorité, armes, bazo, tirer, n'angoine, ce sont seulement nos propres armes. Ce sont, il y a des colonels et des généraux qui partent leur va revendre ces armes-là. C'est-à-dire, bah, armes, nous sommes au Congo, ils ont qui ne sont qu'on a. Alors, même si nous sommes unis, vous allez voir que tout va être normal. Yango, ils appellent, ils sont en coalition. Yango, nous sommes en train de déconner sur le peuple congolais. Nous puissions être unis pour nous faire un bon sambo cannabis. Il est encore temps que ces pays changent. Vraiment, c'est ça. Voilà, ça c'est très bien dit. Ils ont les sommets et unité. Oui. Parce que première dame Denise Nyakiru, tout le monde y est avec toute simplicité, et pas maman Bobila Dawa. Les photos sont là, les images sont là. Et puis c'est très beau à voir. Hein? Oui, vraiment. Côté langue, c'est agréable, ça fait plaisir. Alors merci beaucoup pour l'enseignement de l'homme de Dieu. En dépit de ça, aux Ali Moutou, le Blarapé, Mingi Mboka. Et puis, quand on a fait un peu de temps, pour a Mboka. Et est-ce que le lot, c'est que Mboka au Congo, ils ont pe mboka o nzambe a tapé misune a to tsali to ni pe a. Oui, ces pays, ils ont pays moko chrétienne et je dirais chrétien, ça dit je dirais religieux même pays de Dieu. Pays en nzambe parce que le roi de ces pays c'est lui-même Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de religions. Des faux et des vrais. C'est Dieu qui nous dirige. Mais il y a aussi beaucoup de magiciens au Congo. Oui, il ne manque pas les infiltrés. Même au temps de Jésus, il y avait des gens qui étaient des magiciens. Mais cela n'exclut pas que Dieu existe. Très bien. Dieu existe. Dieu existe. Si lui-même le créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, Jésus-Christ de Nazareth, à son temps,
il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a purifié les lébrés. Mais il y a des certaines personnes qui ne croyaient même pas à lui. Et pourtant, il y a Zalaki Nzambe. Alors, ça montre même aujourd'hui, Nzambe Azali, ça ne tape pas aux angatés parce que les diables Azana Mokiliawa, il rôde comme un lion rugissant. Il y a des dévorés. C'est-à-dire, les magiciens sont solo dans le coutapé Azali. Basala nzambi asona lokuta pe bazali nzamba zali na mboko yo zali ayebi mboko yo très bien alingi ba kongolais mingi est-ce que mboko peut changer l'homme de Dieu? Oui, eco changer ma case. Je vais vous dire quelque chose. Un certain temps neki na voyage nazo ke nakinda ki na Luanda ba bingsenga inakinda Luanda sermo bingsen no bond la pona ye ko bingsa sewa na bingsen no bond la pona ye nazo kitaka na aéroport wana boy mo kondi moko ya policier wa kontrola ka kuna na aéroport atini babengai na yene na milo mutema kime na ya en ordre na zana passeport na ngai ne na en ordre bazo bengila ngai nini na kei koma na komi bandi ko sente ba bi singai batunga koma na ngai na pesi kombo na ngai bazo interprete a komi ya lobaka na français ngalo baka na lingala soit français ya interprete a ki na portugais. Abi mon kondialobi faut ça mila pour naie parce que mon kondialobi que esprit naie convaincre que yoza mon sala nzambi ya solo binga oui na bia binga tabia biote albi bongo j'ai prié pour na mon kondialobi après ko ça mila pour naie lobi nango mon kondialobi miracle atini be ko zwanga biska na ndovanda tant moi yebi singa que na bande ko maltraiter ba congolais mais ko bandalelo j'ai compris que vous les congolais vous avez un dieu. Vous comprenez? Voilà, angolais. Angolais. Ça, angolais, mon condi. Militaire. Hein? João. Comment est João? Abi, j'ai compris que vous, les Congolais, vous avez un Dieu. C'est pourquoi je vais commencer à vous respecter d'aujourd'hui. Andimi, que bisba Congolais, tous en Nzambe. Pourquoi? Parce que, moni, le bon quoi Nzambe, Nabiso. Pour comprendre que nous devons considérer ce Dieu-là, Seigneur Jésus-Christ, car il nous aime, il est avec nous. Voilà. Il nous aime et il est avec nous. Ça, c'est très bien dit. Mais est-ce que Mikolo, j'ai une révélation, l'homme de Dieu? Qu'on a pêché un message? Ou bien, j'ai demeuré dans ma prière? J'ai demeuré dans ma prière. Puis, j'ai demeuré dans l'Assemblée nationale. Yomo ko mimoni. Na mimoni na sambe na sina nobi o nzamba za lokumo. C'est-à-dire oui, il y a des certaines manières Dieu peut te révéler. Na moni na mimoni na sambe na sina je ne sais pas. Au commun de pidi. Oui, na mimoni na sambe na sina je ne sais pas et nzamba lingala ksani. Peut-être nzamba lingala ksaka mos ensemble national, il y aura des serviteurs qui vont entrer là-bas parce que la Bible nous dit ne méprisez pas la prophétie mais examinez-les. Et ça montre que l'Assemblée nationale aussi, ils doivent être dirigés par des serviteurs de Dieu. Il y a des voix dans Zambia sur le Bakotan. Ça montre aussi que en 2023, il y aura des enfants de Dieu qui vont être là. C'est-à-dire, c'est juste à débattre ce que Dieu a montré. Alors, Dieu m'a parlé beaucoup sur le pays. Je suis en train de prier. Na moni bunangana. Kalamine te faire de sa sous yango. Ah, ok. Oui. Le territoire occupé par les Qu'est-ce que je vis? Oui, je vais parler sur ça, bien-aimé. Qu'est-ce que je vis quand j'étais en train de prier? J'étais en train de prier pour ce pays. Pour demander, Seigneur, mais pourquoi territoire Yamboko? Ça peut être toujours pris par l'ennemi jusqu'à aujourd'hui. Je vis des fardes entrer et les rebelles en train de prendre fuite. Ça va se faire bientôt. Je dis bien bientôt. Moi, je suis allé aussi là-dedans. Donc, tu as récupéré Bounaganda. Oui. Moi, je suis allé aussi là-dedans. Je suis récupéré. Moi, je rebelle aussi là. J'ai vu la population sauter dans le territoire. Ça va se faire bientôt. Et Dieu va livrer territoire wana maboko ya colonel moko. Colonel moko ndako za bateau de commandement et akoma victoire. C'est ce que je vis pour ce pays. C'est pourquoi nous devons tenir ça dans la prière. Ce sont des bonnes choses et Dieu va les réaliser. Dieu va livrer bunanga territoire bunanga par un colonel. Colonel wana yebante makoye bana kombo tango za makou livrer mboka wana. Yende au sale opération. Ako sale opération ko réussir. Nzamba lobi beaucoup il basera qui wana ba corrompi mais en bas c'était motomoko oazo azo livrer bunangala ça livrer menestikali akota neuf. Voilà avec Dieu tout est possible. Espérons que le Congo retrouvera la paix, le calme et la tranquillité dans les différents coins au bato bazali pour vivre en paix. Ça c'est très bien dit, mais l'homme de Dieu lolo, s'il faudrait parler des hommes, des serviteurs de Dieu, bah pasteur, bah prophète. Apparemment, les jours avancent et aussi les choses aussi changent.
Pourquoi pasteur, toi prophète de l'eau, beaucoup de sujets, des débats, des critiques, tout le monde a pour toi, quand il y a un pasteur, nanda quoi battu, non moi aussi a battu, il y a humilié. On a entendu des choses sur les chantres. Le lot va passer, bah moi bah musicien et tant d'autres choses. N'habitez au moins une vidéo de circuler. Moni hypocrisie dans ma belle, hein. Faut pas être hypocrite, oui. Faut être libre en esprit. Moni couple, il y a prophète de Nile ici. Bah qui n'a pas coupé moi divertissement à concert et tout Watanabe. Alors pourquoi les gens critiquent? Pourquoi les hommes de Dieu critiquent? Est-ce que acte bon ou yomoni on commence? C'est la fête, non? C'est la musique. Vous connaissez quoi, mon frère? La Bible nous dit au livre de Amos 3. Non, là, au livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Je laisse d'abord le verset d'Amos, je vais revenir. Au livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par la manque de connaissances. Et la Bible nous dit encore, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque moi, je connais déjà que entrer dans le confort des ferré, falli, c'est mauvais. Et pourquoi je dois être là? Oh. Parce que vous connaissez dans la vie, il y a dans chaque chose, il y a un esprit qui domine sur ça. La musique profane ou musique chrétienne, il y a un esprit. Lorsque vous captez, le comment que vous êtes en cas de cerveau, vous êtes en âme, vous êtes en cas quelque part, mais il faut la leçon les autres transmettre. Tel que moi, j'ai toujours dit maintes fois, la fois que j'avais dit pour le cas de l'artiste d'Inglès, j'avais dit, moi je l'encourage dans son carrière musicale, mais qu'il laisse un peu le nom de Dieu à part. Moi je l'encourage dans son carrière musicale, mais qu'il laisse un peu le nom de Dieu. Donc laisse ça comme dans la carrière musicale, mais tu sais comment on dit? Oui, c'est ça, exactement. Abandonne au calaté, papa. Non, vous connaissez quoi? Et ça, Moussala Naye. On doit refuser de créer des scandales en tout temps. La Bible nous dit au livre de Matthieu, chapitre 18, verset 7, il y aura des scandales, mais malheur à la personne au scandale que le kepa inaye. Et toujours c'est lui, ils sont nombreux scandales au Zoya. Et vous m'avez dit, Tuningai, pourquoi est-ce que Nakota Basala Nzambi Mabe Ezo se multiplie en tout temps? Chaque arbre produit son fruit. On se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Jamais au colo na les sangu au bukinguba. Ça dit, bangonde bazawana, bazo produire ma fruit na bango, comme moi je suis. Jamais je peux convoiter la femme de mon prochain. Jamais. Jamais je peux convoiter une sœur. Non. Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. La Bible nous dit au livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comme mon corps ici est le temple du Saint-Esprit, avant de poser un acte, avant de faire quelque chose, le Saint-Esprit va m'interpeller pour me dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon et mal. Donc tu dois laisser. Bango, ils n'ont pas le Saint-Esprit à nez. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout pour créer des scandales. Laisse-moi te dire, même au temps de Jésus-Christ, Jésus avait prophétisé. Il y aura des faux prophètes qui viendront parler à mon nom, prophétiser à mon nom, mais je ne l'aurai jamais connu. Laisse-moi vous dire, frère et sœur, toi qui me suis maintenant. Il y a des faux pasteurs. Il y a beaucoup. J'ai dit 100% des hommes de Dieu. Je peux dire 20% sont des vrais. Les 80% tous, ce sont des faux. Bah, porter ma titre, bah, pasteur, ils vont juste prophète, tout ce qu'on sort. Mais porte ses fruits. Au quoi ben de na bizale na ba acte à opposer. Vous comprenez bien de Roger. Très bien. Au quoi ben na ba acte na bizale les autres proposer. Par exemple, la couture malade avant sembler la peau na yo. Paie ça autant. Or que nous, les vrais serviteurs de Dieu, selon Matthieu chapitre 8, verset 7, on a reçu l'évangile gratuitement. Donc on doit les rendre donner aux gens gratuitement. Mais ils vont, parce qu'ils n'ont pas réussi ces dons-là gratuitement. Ils ont acheté les marabouts. Et il y a beaucoup de faux. Mais justement, on répond à tes coco, ta conseil héritier, Yedine ici. Et déranger bien en quoi? Non, ils ont besoin d'attrister le Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mm-hmm. Parce que dans le cas, au moment où on a parlé de Bazobi, on a dit, par exemple, Babylon, on a dit, mais nous, ma bouche, soit mes oreilles, mes yeux doivent seulement voir les choses d'en haut. Ah, donc, au moment où on a conservé, au risque, on a filmé à moitié nu. Oui, même pas pour ça, mais je ne peux jamais Kokota Makonangana. Parce que la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, on doit sortir du milieu d'eux. Et non, on ne peut pas jamais être avec eux ensemble, mais on doit sortir du milieu d'eux. Ton bimanakat na bango. Oui. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, les musiciens, les profanes, d'après Bino, le pasteur du Congo,
La majorité sont des démons. Hein? Non, je ne dis pas seulement comme ça. La majorité ne sont pas seulement des démons, mais ils sont en train de servir la chair. Ah. Ils chantent pour la chair. Bolingo, j'ai vu quand on chantait pour René Assimouté, Mazo Sepel, c'est-à-dire la chair, les œuvres de la chair. Oui, Arnaud Borané de Nissabo Kélibang. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire. Moi, je suis pour les gens qui adorent le Seigneur, qui chantent pour le Seigneur et non qui chantent pour la chair. Parce que au Kobando, Bolingo, 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 maintenant, ça va où? Tu chantes pour la chair. C'est-à-dire. Et pourtant, que, quand tu chantes pour la chair, ose la démo, tu es directement chante pour le diable. Alors, c'est pourquoi je n'aime pas les chansons profanes. Parce que ce sont les chansons qui ne rendent pas gloire à Dieu. Dieu attend de nous. Dieu nous a fait le royaume des sacrificateurs pour lever chaque temps et chaque moment de sacrifice. Et Dieu dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu attend dans nos bouches, Dieu attend que dans nos bouches sorte la louange. Nous puissions chanter pour lui et non pour la chair et non pour le monde. Vraiment, c'est ça. Alors, dans le monde de la musique, on peut dire que le concert est allé à Fali le 29 octobre. Tout qui nous a bougé, il y a un billet, un avion de Paris jusqu'à Kinshasa pour célébrer le concert. Voilà. Comment trouvez-vous cela, papa? Bino Bozo Evangelist, bien tête au comment? Tout le monde se focalise vers la distraction. Le concert a un impact. Selon d'autres prophètes, il paraît que les stades sont minés et il y aura beaucoup de sacrifices. Je pose à prophète, mon stade est en. Vraiment, je vais répondre sur premièrement, au bas qu'il y a une distraction. Quand ici, on attend un Noé, Noé, nous avons l'axié, boitou. Boitou, Je vis ça. Et là, c'est que bientôt il y aura. Représailles au Salama. Et au Salama, les politiciens congolais. Ils vont regretter. Misouba va les jeter en prison. Kalamingite. Alors, nous avons dit que nous c'est-à-dire, lorsque déjà tu connais la vérité, que nous avons dit que les âmes et au Sali, je vous dis, mission que bien, mission, wana. Avons dit que nous erreur. Pourquoi? Parce que nous aujourd'hui, ce messie-là, il est malheureux. Il n'a rien. Il a bloqué dans le téléphone. A bloqué, a bengi Kofi, vide. Il est malheureux. Les œuvres, la chair. Bien-aimé, c'est Dieu qui a fait que Okoma wana. Et ce que Dieu a payé bien pour nous, le 29 octobre, moi je suis très déçu, même ton Dieu te trouve inutile. Nous avons un inutile pour un concert à Fali. Mais oui, parce que nous avons un peu de temps pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Mais ce qui sert à nous, a une importance. Dieu a laissé son trône dans le ciel, le trône de Dieu. Avec l'argent, or, tout, l'adoration, mais il a laissé, il est venu ici sur la terre pour ne pas être humilié, pour ne pas être humilié. Maintenant, yo, Moutongo, Bakoufela qui se comporte comme si il est l'autre côté. Alors, il y a besoin d'un esprit de mort jour à stade, le 29. Oui, Marmouya, le 29, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que j'ai vu Fali interpellé par la justice après concert. Oh, papa Bandé, le quoi? J'ai vu Fali interpellé par la justice après concert. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Oui, j'ai vu Fali interpellé par la justice, mais il y a eu après concert. C'est ce que j'ai vu. Je me suis dit qu'il y a eu des prisons, je me suis dit qu'il y a eu des prisons. Je me suis dit qu'il y a eu ah, gloire à Dieu toujours. Donc, c'est que Fali, après l'événement concert, il peut être saisi par la justice. Oui, j'ai vu interpellé par la justice, l'avocat, il y a eu des télémis, tout ce qu'on s'en a dit, Fali, comme Fali, après concert. Alors. Est-ce que tu as eu un coup, tu as eu un coup, oui, je ne sais pas, après concert, on est interpellé par la justice. Je dois dire ce que je vis. Après concert, interpellé par la justice. Alors, c'est ce que je vis.
Ça, c'est très dangereux, l'homme de Dieu. Vraiment. Mais vous priez pour votre banque, c'est-à-dire que si vous priez pour votre banque, vous avez musique. Oh, mon frère. Oh, mon frère. Il y a des montagnes ici, des églises, qu'on doit prier. Il y a tout ça, mais tout le monde. Mais il n'y a aucun stade. Aucun stade. Les œuvres, la chair, ils ont ça dans la carte. Comment je dois prier pour toi? Donc, si tu peuple, tu es dans le stade, tu es à la merci des Fali. Non, c'est pas tout le monde. Et je laisse moi te dire, c'est pas. Vous connaissez même les Roms de Dieu, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont rester. Et il y a des certaines personnes, l'esprit de mon réseau conduit, il y a qui nous savent venir. Mais il doit aller finir. Mmh. Nous sommes comme le prophète Jean-Baptiste. Il prêchait au lingo, 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 boy, boy. Comme nous sommes ici. Il y a des gens qui nous traitent des aventuriers, mais na tout n'en décomoko. Abengangai, au prophète n'en déco traité escroc. Mais na bengo, na bengi na sengo pardon, mais escroc kayo ning. Et l'autre côté, autant qu'à la monaco bossa kana j'ai eu nos bakao escroc. Nous dit escroc, j'étais escroqué quoi? Bimis langa mutunga escroqué azat. Alors, c'est ça le peuple congolais. Lorsque les autres sont en train de nourrir leurs prophètes, lorsque les autres bah, ont nourri bah, ça, l'anzambe, mais les peuples congolais sont en train de mépriser. Si tu, je te montre ça. Tu vois, j'espère. Tu vois, je suis invité Kokende, Kobondela, Pona Mokondi, Mokona Pays étranger, na Guinée. Vous comprenez, madame? Mokondi, Azambe Mata Congolais. Un Guinéen. Guinéen, mais Mokondi. Abengi singa prophète na Kongo na longwana kindikune obonda po na ye parce qu'il est convaincu je suis un vrai serviteur. Mais vous voyez, vous allez voir les Congolais mépriser leurs trésors, les déconsidérer, aventuriers, escrocs, mouhibi. Qu'est-ce que je t'ai volé, frère? Répands-toi. Alors, jour paix à Noël le 25 décembre, héritier avec ton conseil à niveau Stade Martin. Bino botika ba date tout qui sacré pour nos chrétiens le 25 décembre Noël. Mais concert ezaguna héritier. Yo ko lobani papa na. Non, dans ce cas... C'est un problème de pays ou bien les chrétiens sont ignorants. Tu trouves ça comment, la spiritualité en beaucoup? Non, ce sont les œuvres qu'il y a monde, les œuvres la chair. Kobanabo autorité, baza conduit par les œuvres la chair. Et tout le monde sont conduits par les œuvres la chair. Ça n'a que produire ça. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que, baza produit par les œuvres la chair, c'est-à-dire aime ça. Et nous, nous prêchons, mais nous sommes méprisés. Et les gens qui écoutent sont minorités. Ils vont rencontrer les seigneurs. Comme maman Moko. Elle a dit bonne nouvelle. Na télévision. J'ai prié. Quand j'ai prié, prière Yasuka. Maman Balamoko. Cancer et limoui. C'est-à-dire ils ont un miracle. C'est-à-dire c'est ça ce qui se passe. Voilà. Alors, que dites-vous par rapport à l'Iwa Baptiste, l'Iwa musicien, ton autre père d'Avena Verkis, qui est mon gars, qui est aussi un baobab, qui est la musique Kala. Je demande toujours ça pour nous interpeller Bandeko Moussousou. Moto a oumé na monde à Mokili. Monde à Bassi, monde à gloire, n'est-ce pas Misa Koba Verkis Bongo. Ce qui a koufi na état que Ambaki Seigneur Jésus-Christ était. Comme Kondibi Mobik ici. Sors na Bangoto et tente na Bangoto Balexango. Ah ok, vraiment dans ce jour de mort, il a perdu dans l'île des tourments. A qui dans l'île des tourments, après l'île des tourments, directement joue à Jima Lifelo. Parce que il y a un peu si bon moi n'y est pas en coloté. So peu si bon moi n'est pas en colo directement qu'un allié de tourment au qu'un séjour de mort. Après séjour de mort, on balance encore Pepo au Mati. Donc, dans bon temps, des gars qui musicien, ce n'est que normal. Azana Bassi, Azana Gloire. Non. Vous connaissez qu'Azana Bassi mi balé mi sato. N'a pas fondé la page ou un jour, mon sosu. N'a tiens on entre parenthèses. Je me trouve en langue. Kozala, Azana Bakisi, Azana Boye, Azana Boye, Zamazo Jige Yango, parce que tu annonces qui bonne nouvelle. Vous connaissez lorsque Lazare a koufi, lorsque Lazare a koufi, Pe riche a koufi. Riche a se retrouvé que Lazare, Azana Tolo, Abraham, mais Azana lié de tourment. Ebisi Abraham, Ebisa Lazare, Akeni Kobis, Bande Konangai Kuna, Kebabong la mitema, Ponangai Koto Nazo souffrir. Abraham et Bissé, Kuna, Libanda, Kuna, Elina, prophète Bazal. C'est-à-dire, nous sommes là pour prêcher. Lorsque les gens ne croient pas en nous, ne croient pas en Dieu. Seigneur a dit au livre de Matthieu, chapitre 10, verset 40. Celui qui méprise l'un des petits. C'est-à-dire, je suis petit, mais Dieu dit en moi. Nazan, Nazambe, Nakat, Nangai. Ceux qui m'ont méprisé, parce que moi, je suis jeune. Parce qu'imaginez, âge, Nangapon, imaginez, peut-être, Taltalinga, décortiquer, Nga, décortiquer, Nga, décortiquer, Yesu Masia, Yesu Christ, Oya Benga.
travail et directement à rater salut, à rater grâce, à rater bonne nouvelle. C'est-à-dire on doit considérer, même le plus petit comme je suis, on doit me considérer parce qu'on a quatre nangai, c'est Nzambazali. Vous comprenez ma lame? Parce que Ngaï, je ne savais pas qu'un jour je servirai le Seigneur. Oui. Quand j'étais en train d'étudier, je savais bien qu'il y a comme un médecin, soit avocat. Mais aujourd'hui, Nzamba Bimelingaï, a Poningaï, a dit que tu dois me servir. Vraiment, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ndeko Enoch Shawanga, le prophète. Bato ba message de Jean Abisso, mon natibola na biso, ba bazana ba bikakatano. Souffrance na vie, ba problème spirituel ba monio. Votre numéro est affiché au bas de leurs écrans pour plus de contacts. Mais rappelez bango numéro et puis déclarer message d'espoir à tout le monde ba tala biso vu leurs soucis, leurs problèmes spirituels. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Premièrement, mon numéro, c'est +243 89 75 20 566. +243 89 75 20 566. Et la Bible nous dit, au livre de 3 Jean, chapitre 2, verset 1er, il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Le souhait de Dieu dans ta vie est que tu puisses prospérer en tous égards, bien-aimé. Dieu te souhaite réussir. Dieu te souhaite être guéri. Dieu te souhaite être prospéré, c'est-à-dire il souhaite ta prospérité. Dieu dit, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, est-ce que tu as une bonne santé comme tu es là? Et si tu es malade, je ne sais pas il s'agit de quelle maladie, mais moi je te parle, il y a un Dieu qui est capable de te guérir, le Dieu qui m'a choisi comme son serviteur. Je ne sais pas, tu as quel problème exactement? Mais moi, je connais que j'ai un Dieu, le Dieu qui est le véritable Dieu, le Dieu du prophète Élie. Vous connaissez dans le livre, dans l'Ancien Testament, le prophète Élie a compris que dans l'Israël, il y avait une confusion. Quelle était cette confusion? Parce que les prophètes de Baal se disaient que nous avons Dieu, nous sommes de Dieu, Baal est Dieu. Et lui aussi, de son côté, disait que nous, moi, j'ai Dieu et l'Éternel est Dieu. Alors, Élie a dit au roi Akab, dit au prophète de Baal, que nous puissions aller dans la montagne. Nous allons construire un hôtel. Après avoir construit cet hôtel, moi, je vais invoquer mon Dieu. Et aussi, vous invoquer leur Dieu. Le Dieu qui va faire de son, le Dieu qui va exaucer par le fait, c'est lui le Dieu que nous allons servir, bien-aimés dans le Seigneur. Les prophètes de Baal, ils ont commencé premier à invoquer leur Dieu. Ils ont imploré, invoqué leur Dieu. Pour que le feu descende, mais les faits, rien, le feu ne fait pas descendre. Pour montrer que notre Dieu que nous servons, c'est un véritable Dieu. Et au moment maintenant des prophètes Élie, le prophète Élie, il a prié. Il a dit, Seigneur, je demande que le feu. Je demande le feu. Directement, dit Ers, aussi le prophète Élie par le feu. C'est-à-dire, par là, j'aimerais te dire quoi? Tu as été peut-être arnaqué. Tu as été peut-être escroqué. On t'a beaucoup importuné. Tu as rencontré des faux serviteurs, des faux servantes. Tu as rencontré des faux prophètes, des faux pasteurs. Mais laisse-moi te dire maintenant, tu as rencontré un vrai serviteur, le prophète Élie. Le Dieu que moi, je parle de lui, il est le Dieu qui exauce par des signes. C'est-à-dire, comme tu es là, que ça soit tu es malade. Moi, je crois maintenant, j'ai un Dieu que je te présente. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu-là va te guérir. Le cancer, peut-être diabète, où il y en a beaucoup de maladies. Toutes ces maladies, ils ont un nom. Mais moi, je te présente et le nom qui surpasse toutes ces maladies-là, c'est le nom de Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, mon Dieu à moi, le Dieu qui m'a choisi, je te faisais. Je ne croyais pas qu'un jour je deviendrais un serviteur de Dieu. Mais ce Dieu-là m'a changé, il m'a transformé pour venir te prêcher. Et je vais maintenant prier pour toi. Si tu crois, tu te connectes à ce Dieu-là, tu crois que oui, je crois, ce Dieu-là va faire quelque chose. Tu as la foi, comme la Bible nous dit au livre de Hébreux 11, 6. Si tu as la foi, je vais prier pour toi. Bien-aimé mon frère, mon père, maman, tu as quel problème? Qu'est-ce qui te tourmente? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, si je prie pour toi, tu crois qu'aujourd'hui, si tu es en contact avec moi, même pendant 2 minutes, même dans le téléphone, est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Est-ce que tu crois que tu vas être visité? La Bible nous dit au livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour venir prier pour toi. Ne méprise pas ma jeunesse, comme dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Moi, je vais prier pour toi. Je sais. Je connais le Dieu que je parle. Ce Dieu-là va te guérir. Il va se manifester. Il agit. J'espère que tu vois des témoignages. Aujourd'hui, on n'a pas fait passer les témoignages sur faute de temps. Mais je crois que toi, tu vas être un témoignage vivant, maman. On t'a beaucoup escroqué, on t'a beaucoup arnaqué. Aujourd'hui, tu as rencontré un prophète à l'âge de ton fils, à l'âge de ton petit frère.
je vais prier pour toi, mais mon Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Et je vais prier pour toi. Mon numéro est affiché au bas, mon numéro est juste affiché au bas de vos écrans. Et quand je vais prier pour toi, tu vas m'appeler, tu vas témoigner. Je peux prier. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Oh, Père de signes et prodiges, Seigneur. Agis, Père de gloire. Il est écrit au livre de Matthieu chapitre 11, verset. Il est écrit au livre Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez, Père dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les vœux, purifiez le bruit, chassez les démons. Et je prie, Père de gloire, pour tes enfants. Manifeste-toi, oh Père des signes et prodiges, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te visite dans tout ce que tu as comme problème. Tu vas m'appeler en privé, je vais prier pour toi. Mon Dieu va faire quelque chose dans ta vie, tu vas témoigner. Merci beaucoup, au revoir.